Yo tout le monde, c'est Franken, j'espère que vous allez bien, comme dit mon grand-père. Ça va super, quoique ça va plutôt moyen hein, parce que je ne vais pas vous le cacher. Alors attendez, je dois peut-être brancher à fond mon micro pour avoir tout le son du jeu. Ah, le son du jeu est là. C'est parfait. Du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, j'arrive avec une semaine de retard parce que j'ai dû refaire. Une assez grosse partie du jeu, environ 30 minutes. Et que bah les épisodes en général ils sortent le lundi. Bouge ton cul, s'il te plaît. Donc j'ai déjà fait cette partie. J'ai préféré vous la réécrire. Vous la réécrire, n'importe quoi, vous la retourner. J'ai préféré vous la retourner. Plutôt que de vous simplement expliquer, ouais, alors il s'est passé ça, 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 ça et ça. Voilà. Tu vois, je pense que c'est plus agréable à revoir. Du coup, j'ai attendu une petite semaine, histoire de me mettre bien et de pas être trop dégoûté parce que ça m'avait bien cassé les couilles. Putain! C'est ça que je veux. T'as kiffé ou pas? Le mec qui a des réactions un peu trop excessives. Oula, comme toi par contre, Jojo. Ok, donc là, ça mène ici. En tout cas, j'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, ça va. C'était pas ouf. Et pas. Pas nul. C'est une journée tranquille, quoi. Donc voilà. Voili, voilou. Je ne sais pas quoi dire, alors je vais continuer de marcher. MDR. Ouais, donc je suis quand même assez désolé du retard. Du retard qu'a pris. Pourquoi y a pas de musique là? Ça me stresse. Je suis assez désolé du retard qu'a pris bah, la série. Une semaine. Calme-toi. Une semaine de retard, c'est. C'est pas R, frère. C'est pas R. Donc on va tenter de rattraper tout ça en faisant 3 vidéos par jour, MDR, pas du tout. En faisant bah du coup environ une vidéo par jour. Donc là ces derniers temps je commence à ralentir au niveau vidéo. Va falloir que je me. Pardon. C'est toi Ellie qui fait du bruit? Oh, tu me fais très peur Ellie. Je disais donc du coup ouais ça va falloir que je. C'est pour ça d'ailleurs si jamais vous remarquez que j'ai moins de munitions dans ça. Dans cette arme parce que je l'ai utilisé contre un boss et ça servait à rien. Alors MDR. Des singes. Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Non, les claqueurs ne se cachent pas. Magnifique bug hein. Je pense que c'est des singes. Après. Après, seul l'avenir nous le dira. Il me semble que c'est des singes. Bon, ça on va le péter déjà, ça m'a saoulé. Bien. Ok, fine. Donc, j'ai un peu rushé ce moment hein, parce que. Oh, tranquille quoi. Ça m'a refait peur quoi. Alors que je savais qu'il y avait un truc avec des singes. Je suis un vrai truand. Ça l'a saoulé, Ellie, gros. Elle a tapé la poubelle comme ça la pof. Peut-être qu'à force de chercher, ils sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Bah oui, Ellie. Donc ça je vous le ferai pas écouter d'ailleurs ouais je dites-moi si. Hop, un petit cogné lucifer, c'est cool. Dites-moi si vous voulez écouter à un moment donné, je pensais que c'était des balles. Si vous voulez écouter. Oula, ma voix elle part en couille. Allô? Attendez. Ok. Donc dites-moi si vous voulez écouter et lire tous les dossiers que j'aurais récupérés. Peut-être ça peut vous intéresser, je sais pas. Hein. Écoute gros, moi j'arrive, je propose des idées. Voilà.
Rien de révolutionnaire, mais... Que serait le monde sans révolution? Alors, à ce qui paraît, on est plein. Hop! Ok. J'en ai 90 de ça. Oh! Il m'en faut encore 10. Il me faut encore 10 petites pinules. Et là, ça relève d'une importance capitale. Parce que si je peux échapper au claqueur sans que ça me consomme un sur un, c'est dire que gros, à un moment donné, je suis invincible. Les claqueurs, en gros, ils peuvent m'attaquer à 18. Je les tuerai tous comme ça. Ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ah, très bien. Je suis pas en mode avion, c'est génial. Bah, je sais de quoi je vais pouvoir vous parler, les gens. L'entreprise n'était qu'une monstrueuse perte. J'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez, en train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est? Ouais, alors. C'est loin? C'est pas tout près, enfin, à cheval. Les Lucioles ? Baisse-toi ! Oh ! Ok. Donc les gens, on s'est fait tirer dessus, c'est génial. On sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. On se casse, faudrait mieux se casser. Alors, j'ai pas une arme avec plus de mine que ça. Voilà, ça m'a l'air bien. Tu vois, genre, hop, quing, 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 quing. Ah putain, j'ai plus d'armes dans celle-là. Enfin, de mine. Bah, flèche, hein, c'est parti. On va peut-être faire un écran de fumée pour se barrer tranquillou. Je sais pas. Boum. Allez. Oh, fils de. Nique ta mère. Allez, casse-toi. Non mais le mec en plein combo il arrive à esquiver et à me foutre une de ses patates mon pote. Et ça je l'ai cassé. Quand je casse quelque chose je veux qu'il reste cassé. C'est le mec. Oh. Alright. Allez, ta mère. Ta mère le cheval vert, comme dirait mon grand-père. Oh, c'était un mec qui faisait plein de rimes. Il s'appelait Franky. Mais pas devant moi, lui, par contre. Bien joué, Ellie. Ça veut ma bite de tous les côtés. On va recharger, hein, écoute, on peut pas recharger. Il était pas mort, c'est génial. Mais... C'était pas du tout la bonne arme. Mais tranquille, ça me donne ça. Le fusil à pompe, hein. Toujours mon arme favorite les gars. Je balance des petites chaussures. Fusil à pompe, lol, t'as compris la référence. MDR, allez on s'amuse. N'oublie pas de lâcher un like. Je ne le vois pas, alors c'est pareil, il y a un mec devant moi mais je le vois pas. Le mec il fait que provoquer, tu sais. Allez, salut. Ça t'a plu? Moi non. Ok, on va y aller, pousse-toi Ellie. On va se casser de là. Oh.
très bien. C'est génial, c'est la fête. On peut dire qu'on s'amuse. Non, effectivement, on peut le dire. On peut le dire, on va pas se le cacher. Qu'est-ce que t'as toi? Allez, salut frérot, moi c'est Frank & Co. C'était un plaisir de faire ta connaissance, je vais prendre celle-là, elle m'a l'air un peu mieux, on peut aller, on va pas se le cacher. Ça aussi, ça fait plus de dégâts. Pousse-toi Ellie, pousse-toi, pousse-toi, on n'a pas ton temps. J'ai pas ton time Ellie. Bon là c'est sûr que ça va arriver. Allez Ellie, ok bien joué, t'es une pro. T'es une boss Ellie, t'es la meilleure. C'est toi la meilleure Ellie. Je suis pas prêt hein. Je peux pas te cacher que là je suis pas. Je suis pas au summum de ma force. Bing! Allez, nique ta race. C'est ce que je dis. Ok. Non, les rageux, les haters! Laissez-moi tranquille! Merde. Ellie, tu fais quoi? Allez, salut. Hein. Je cherche une blague là, mais. Il était mortel ce coup de poing. Allez, salut. Bouge. Pourquoi là, comme par hasard, E2 ils sont one et pas. Putain. Ah oui, bah bien sûr que je vais bien. Je viens de me prendre un truc avec le tétanos, là je vais avoir le cancer du sida dans le bide et toi tu me demandes si ça va? Une génie. Une génie. On va pas se le cacher. Aïe. Eh wesh. Oula. Ah putain. Ok cool. Ok. Bon apparemment par le scénarium hein, on a des balles infinies. On remarquera la tache de sang qui flotte hein, sur le mur. Derrière mes jambes là. Dépêche-toi. Ta gueule. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai des. Oula. Joli déterminant. Je sais pas pourquoi j'ai des balles infinies, mais c'est le choix du scénarium hein. Oh non, Joël quoi. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. Allez. Encore un peu, allez. Allez, ouais, bah j'arrive.
Derrière toi. Non, oh, oh Ellie, PGM comme d'hab. Oh, c'est un chien. Oh, bien joué. Oh, fils de, t'as osé toucher à ma petite Ellie. Tiens, je marche sur ton corps là, sale bâtard. Je te jure, si jamais je te sors de là, tu me devras une chanson. Putain, quoi, Joël. Je vais ouvrir. Allez. Aïe, aïe. Mais c'est... Srovenko ? Mais rends-moi mon cheval, tout de suite. Quel connard, il a voulu voler Srovenko, je suis choqué. Mon cheval. Mon petit Sro. Et parce que mon cheval s'appelle Sro. Hein. Ou Terre, ça dépend des versions. Alright. Donc on a réussi à se casser. C'est plutôt pas mal. Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde. Oh là là. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis-moi quoi faire. Allez, tu dois te relever. Joël ! Bien. Eh bien, je pense qu'on peut arrêter l'épisode ici. En attendant, on m'invite juste maintenant à une partie vocale, donc c'est plutôt pas mal. On va juste reprendre ça parce que je vois pas la sauvegarde auto. Donc on va arrêter juste après là l'épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Bah, si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, blibla. D'accord. Voilà, vous connaissez tous les baby bye. Allez! C'est génial, faut savoir que je suis allergique au lapin et dès que je vois un lapin mourir, je suis très, très heureux. Pampan dans ton cul, ouais. Il est où Bambi pour te protéger là? Il est pas là, hein, Bambi? Ça durera pas très longtemps. Enculé de pampan de merde. Et on pourrait remarquer qu'elle a la veste de Joël. Et qu'elle est trop swag. Un gnou. Tu lui ferais peur. On a gardé Srovenko avec nous. C'est cool. Voilà, parfait. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Blablabla, vous connaissez les bails. Pouce bleu, partagez, commentez. Voilà. C'est Frankenko. Et là, je suis un headshot. Non, je rigole. Bye tout le monde.